château de Tressé. Le centre médico-social accueille des adultes déficients mentaux. Daniel Joly, éducateur technique spécialisé, anime un atelier poney très apprécié des résidents. Tu dis le spectacle lequel ? Oui. C'est de la Mongolie. C'est sur la Mongolie. Et puis on n'a pas trouvé de titre à notre spectacle, et puis ça peut être le moment d'en parler, tiens. En fait, il faut des noms qui se rapprochent de la Mongolie. Oui. Je vous dis des noms comme ça. Il y a Altaï. Altaï, c'est une région où il y a beaucoup de gens qui sont dans la nature avec des troupeaux et tout ça. Si vous avez des idées, pourquoi pas. Comment ? Alvator. Non, Alvator. Altaï, ça pourrait être très bien. Alvator, pourquoi pas. Altaï, c'est bon, tu veux. Altaï, ça te va, toi ? Jean-Michel, tu dis quoi ? Oui. Jean-Michel, vas-y. Ah. Altaï ? Ouais, Altaï. Ouh. Ah oui, mais on n'a pas beaucoup. Faut qu'on en trouve 2-3 autres pour qu'on se détermine sur... Bon, pour qu'on en trouve 2-3 autres... Ah, peut-être. Altaï... J'ai pas pris mon bouquin, là. J'avais un petit bouquin sur la Mongolie. Il y avait des noms. Il y en a pas. Parce que Yurt, c'est le nom de la maison mongole. Mais c'est pas tellement... Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il pourrait y avoir d'autres. Mongolien. Non, c'est pas pareil, ça. C'est de la Mongolie. Mongolien. C'est quoi, des Mongoliens? Mongolien, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, les Mongoliens? Ça veut dire... Il a des difficultés. Il a des difficultés pour marcher. Il a des difficultés pour marcher pour certains. Donc moi, c'est quelqu'un qui est handicapé, un mongolien. Ouais, handicapé. Bah ouais. Et quelqu'un qui est dans la fauteuil. Pour certains, mais pas tous. Enfin. Pas tous. Pas tous, tu vois. C'est quelqu'un qui te marche. Il y en a qui savent marcher. Et donc, nous, notre spectacle est sur la Mongolie. Ah, et les habitants de la Mongolie s'appellent des... Mongols. Des Mongols. C'est pas des Mongoliens. Non, c'est pas des Mongoliens. Non, mais c'est bien que t'aies dit le mot comme ça, on a pu faire ça.